Salut tout le monde, c'est Leskio, on se trouve sur FIFA Ultimate Team pour un petit squad builder. Donc juste avant de commencer le squad builder, je tiens à remercier les deux chaînes FIFA Planet et la communauté Fit pour avoir pris mon dernier squad builder. Donc ça fait vraiment plaisir, je vous remercie de tout cœur. Donc je pense que je vais proposer ce squad builder, donc j'espère que vous allez me prendre. Et voilà. Alors on commence tout de suite. Alors cette équipe est en 4-1-2-1-2, elle est composée totalement de joueurs de nationalité polonaise. Et voilà, donc on va tout de suite commencer avec le goal. Donc le goal c'est Chechny Boost, donc Chechny Boost avec une petite carte bouclier qui peut toujours aider. Donc il a 87 en plongeon, 82 en jeu de jambes, 87 en réflexe et 79 en position. C'est les stats les plus importantes pour un goal et les plus fortes pour lui pour l'instant là. Donc j'ai pu le tester en match, il est très très bon. Son prix, j'ai 17 500 crédits, difficile de trouver mieux. Vous voyez, c'est très difficile de trouver mieux car c'est un très très bon joueur. Donc voilà. Donc je m'en tire plutôt avec une assez bonne affaire. Ensuite, on se retrouve avec en défenseur, pardon, avec Glick Tot, 86 de général, avec 94 en défense, 91 en physique. Des très très bonnes stats pour un défenseur. Je l'ai testé lui aussi. Très très bon joueur au duel. Voilà, il met bien le pied, il est très très fort. Il est aussi très bon au niveau aérien, donc voilà, il est très très bon. Je l'ai acheté pour 14 500 crédits. Que dire de plus, un très très bon prix pour un joueur 80 général et TOTS. Donc voilà, j'ai fait une plutôt bonne affaire. Donc voilà. Ensuite, on se retrouve avec l'autre défenseur central. Donc son nom est très difficile à prononcer, donc je vais pas le dire, je vais plutôt l'appeler par son prénom. Donc on va l'appeler Jakub. Jakub qui n'a que 67 de général et une carte argent. Mais il a 77 en vitesse et 80 en physique. Donc ça peut bien compléter avec Leak. Voilà, je l'ai acheté pour sa vitesse et surtout pour sa vitesse car ça peut vraiment aider pour un défenseur. Et après voilà, le 80 en physique qui peut toujours aider, ça fait toujours plaisir. Et voilà, ensuite je l'ai acheté pour 950 crédits, donc même pas pour 1000 crédits, donc ça fait vraiment plaisir de l'acheter pour peu. Et voilà. Ensuite, défenseur gauche, on enchaîne avec Bueni. Bueniche, j'ai oublié de finir son nom. Bueniche, 78 en vitesse, 80 en physique, 72 en défense, donc il fait 1m91, donc c'est ça qui fait son physique. Il a seulement 72 de général. C'est une carte argent, donc je peux vous le dire, j'ai testé, il met vraiment bien la tête, donc il est vraiment bien au niveau aérien, donc il est très très fort. J'ai acheté pour seulement 500 crédits, donc ça fait toujours plaisir de l'acheter pour peu ces joueurs qui sont vraiment pas mal, et voilà. Ensuite, on enchaîne avec le défenseur droit, Piszczek, sans doute que vous connaissez Piszczek, titulaire indiscutable à Dortmund, pardon. Il a des très bonnes stats. 81 en vitesse, 82 en physique, pardon, 80 en défense. Voilà, que de plus, il est très très bon, moi j'adore ce joueur. Et voilà, donc j'ai acheté pour 3000, difficile de trouver moins cher que 3000. Voilà, j'ai fait pas une très bonne affaire sur ce coup là, c'est un petit peu dommage. Ensuite, milieu défensif central, on a Krikoviak, Krikoviak avec 84 de général et qui est un TOTS. Donc ses stats les plus importantes sont 85 en défense, 92 en physique, 77 en passe. Donc il est très physique au milieu, donc ça c'est très important. Et c'est mieux d'avoir des bonnes stats en passe pour un milieu. Donc voilà, c'est une tête en passe, c'est vraiment pas mal. Je l'ai acheté pour 15 150. C'est encore une fois une bonne affaire comme Glick. Car ces joueurs, je les ai vus, ils étaient presque tous à 20 000, 25 000 crédits. Voilà, j'ai fait une très bonne affaire. Donc vraiment tant mieux pour moi. Et voilà, ensuite, milieu gauche, on a Kozeki. Kozeki, difficile de trouver mieux pour ce joueur, même s'il a des bonnes stats quand même. Il a juste une bonne stat, 92 en vitesse. Et voilà. C'est simple. Ah, j'ai acheté pour 1000 crédits, c'est un petit peu sa vitesse qui a fait le prix. Mais bon, il aide vraiment toujours sur le côté, donc ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un qui court très vite sur les côtés. Il a aussi 5 de mauvais pieds, ça peut toujours l'aider. Et voilà.
Ensuite, on passe au MOC. Attendez, MOC, pardon. Il est là. Donc, Aubragnac. Aubragnac, je l'ai acheté pour 600 crédits seulement. Il a des stats plutôt potables. Donc, je tiens juste à vous le dire. Donc, ce joueur, on va l'appeler Adrian, est à la base un MOC. Je devais le mettre MOC, sauf que je l'ai vu en BU. Il a des stats vraiment d'attaquant. De BU, donc je l'ai acheté en BU et du coup j'ai dû m'acheter un autre MOC. Bon, c'est juste pour la petite histoire. Donc, si vous voulez l'acheter en MOC, il y est, hein. Vous avez soit MOC ou BU, donc c'est comme vous voulez. Voilà, donc on n'est pas ce joueur, on est à Aubragnac. Entre Aubragnac, il a des bonnes stats en passe, en tir. Voilà, c'est un joueur plutôt pas mal. Je l'ai testé, il a fait des très bons caviars. Bon, c'est un bon joueur. Qui coûte pas très cher, donc c'est ça son avantage. Voilà, ensuite, milieu droit, on a Blazikowski. Donc aussi, je pense que vous le connaissez. Il a des 87 en vitesse, 74 en tir, 79 en passe, 83 en dribble. Il coûte seulement 900 crédits pour ses stats, c'est vraiment peu. Bah, j'ai fait une super bonne affaire. Il doit coûter entre 2000 et 3000 crédits. Donc ça fait vraiment plaisir. Il est très très bon et très rapide sur les côtés. Donc moi j'ai vraiment deux joueurs très rapides sur les côtés, donc ça fait vraiment plaisir et ça peut toujours aider, hein. Voilà, ensuite on enchaîne avec les deux attaquants. On a Lewandowski, vous le connaissez sans doute lui aussi, titulaire indiscutable au Bayern de Munich, et j'adore ce joueur. 87 en général, 80 en vitesse, 84 en tir, 85 en dribble. Il est assez physique, pas très, il est assez physique en attaque, ça peut toujours aider. Je l'ai acheté pour 15 500. Là par contre c'est difficile de faire une bonne affaire sur les Lewandowski. Il coûte entre 15 000 et 18 000 crédits. Et même 20 000 crédits, pardon. Donc voilà. J'ai fait pas une bonne affaire. Je l'ai acheté au prix minimum. Et voilà. Ensuite, il a aussi 4 rôles de technique, 4 rôles de mauvais pied. Donc ça peut toujours aider. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième attaquant. Donc cette fois-ci, le joueur que je vous parlais tout à l'heure, Adrian. Je l'appelle Adrian par son prénom, car c'est presque impossible de prononcer son nom de famille. Donc, des très bonnes stats. 85 en vitesse, 82 en tir, 85 en passe, 83 en dribble. Encore un joueur avec un petit peu de physique. Donc, il y a vraiment deux attaquants très physiques. Il est en tot. Donc je pense que c'est grâce à ça qu'il a des bonnes stats. Il a 4 rôles de mauvais pied, 4 rôles de technique. Je l'ai acheté pour 10 250. À la base, ce joueur coûte, pardon, 20 000, 25 000 crédits. Moi, je l'ai vu à ces prix-là. Donc, j'ai fait une super bonne affaire. Une très très bonne affaire, je même. Voilà. Plus un attaquant au pied gauche, c'est très rare. Voilà, que dire de plus? C'est parfait. Ensuite, après, on a notre entraîneur, mais on s'en fout un tout petit peu. Voilà. Donc, on arrive au final avec un 100, avec une note à 67 et 100% de collectif. Donc, si vous rajoutez des joueurs sur votre banc de remplaçants, vous aurez minimum 83 ou 84 de notes. Ça, je l'ai fait avant. Voilà, je peux vous l'assurer. Voilà, donc j'ai oublié de dire dans mon dernier squad builder le prix de cette équipe. Donc cette équipe vaut entre 60 000 et 70 000 crédits. Donc après, ça dépend vraiment de vous si vous faites soit une bonne affaire, soit une mauvaise affaire avec vos joueurs. Moi, j'ai fait plutôt une bonne affaire. J'ai réussi à l'avoir à 64 000 crédits cette équipe. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Si vous arrivez à faire moins, tant mieux pour vous. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une petite vidéo. Ça doit faire 2 mois au moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça ferait plaisir de partager la vidéo. Si vous avez des suggestions de joueurs à remplacer dans cette équipe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Tout ça sera dans la description. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!